Le slalom de Montbéliard, qui se déroule dans la zone du pied des gouttes, a rencontré cette année encore un beau succès. Et sous un soleil de plomb, les principaux représentants de la discipline avaient fait le déplacement. Parmi eux, citons bien sûr François Miguère, grand favori et qui domina les débats toute la journée. Mais à la surprise générale, c'est une fois encore ce diable de Didier Genet qui portait l'estocade finale et l'emportait sur le fil. Derrière les deux pilotes Luron, on attendait Marc Gargioni. Mais les PRM lui mèneront la vie dure toute la journée. Il échouera donc au pied du podium, laissant passer un Olivier Morel très motivé, dont le Fun Boost prendra la troisième place au classement final. Après l'abandon de Didier Nerling, c'est une autre berlinette qui s'impose, celle de Jean-Marc Schmitt, dans un groupe F quelque peu esselé. Belle course par contre pour Laurent Sancet qui termine cette fois devant la 106 S16 de son frère et premier des pilotes de l'ASA organisatrice.
Oh,